Allez-y, allez-y. Je vais couper le mot, allez-y. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons procéder à l'ouverture ou au démarrage de notre activité de ce matin. Et tout de suite, vous allez suivre notre frère Tahir Abdurrahman qui va vous souhaiter la bienvenue au nom de l'école de la vie. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لسيرة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord demander à vos frères et aux sœurs d'arrêter leur portable pour qu'on ne soit pas dérangé au cours de ces travaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue par la formule de salutation consacrée entre musulmans, celle que nous a enseignée notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala depuis notre ancêtre Adam alayhi salam et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de répandre entre nous afin que se consolide l'amour entre frères musulmans. Cet amour devait nous pousser à aimer pour notre prochain ce que nous aimons pour nous-mêmes, comme l'a si bien dit notre aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit également, je cite, je lis le hadith, un hadith très important. Le prophète dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé des hommes auprès d'Allah est le plus utile d'entre eux. La plus aimée des œuvres auprès d'Allah est le fait de semer la joie dans le cœur des musulmans ou de le soulager d'une peine ou de lui payer une dette ou le soulager de la faim. Certes, je préfère aider mon frère musulman à résoudre son problème que de faire une retraite pieuse à la mosquée pendant un mois.
Quiconque maîtrise sa colère, Allah protégera son honneur. Quiconque domine sa fureur, c'est-à-dire sa rage, alors qu'il peut, s'il le voulait, la manifester, Allah remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Quiconque aide son frère jusqu'à la résolution de son problème, Allah affermira ses pas le jour où les pas glisseront, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Certes, le mauvais caractère, c'est-à-dire le mauvais comportement, corrompt l'œuvre comme le vinaigre gâte le miel. C'est un hadith authentique. C'est donc pour observer ces recommandations que notre frère et maître, le Cheikh Bourayma Abdou Daouda, a eu la merveilleuse idée de créer une structure éducative appelée l'école de la vie, afin que, comme il l'a dit, nous puissions nous aider nous-mêmes et aider l'humanité à retrouver la voie du salut terrestre et céleste. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver dans cette école hors du commun, école d'une importance capitale pour tout musulman, car elle vise à faire découvrir à ce dernier les secrets de la vie pour non seulement donner un sens positif à son existence, mais surtout pour lui permettre de devenir un être utile, un être béni, source de bénédiction pour lui-même, pour son entourage, pour la société, voire pour l'humanité tout entière, à l'image du prophète Isa alayhi salam, à propos duquel Allah, il est dit, Allah l'a rendu béni où qu'il soit. On retrouve ça dans la sourate Maryam. Ressembler au prophète n'est-il pas le meilleur idéal que doit avoir un musulman? Cependant, pour atteindre un tel idéal, il faut consentir des sacrifices énormes, dont le premier consiste à se remettre en cause en reconnaissant que nous sommes dans une impasse dans